20h30 minutes dans les locaux de Kaskas FM. Bienvenue pour le journal de ce 25 juin 2020 à la cabine technique Mikasal. Présentation d'Embadjan et les titres. Le porte-parole de la Tariqa Tijane, Pape Malik Sy, est mort, un homme distingué dans sa née allée. Fils cadet de Serigne Seydi Ababakar Sy, premier calife de El Hadj Malik Sy, Pape Malik Sy avait l'art du discours. La reprise des cours prévue ce jeudi 25 juin 2020 a connu de nombreuses perturbations dans le sud du pays. La courbe de la maladie du coronavirus ne fléchit pas au Sénégal, en atteste le taux de positivité qui a connu une hausse ce jeudi. Il est de 10,5% selon l'ancien directeur du cabinet des ministres de la Santé et de l'Action sociale, Aloïse Wally Diouf, qui a fait le point de la situation du jour. Sur 985 tests réalisés, 104 sont revenus positifs. International en Mauritanie, les autorités mauritaniennes autorisent le trafic routier afin de permettre les personnes bloquées à Nouakchott et à l'intérieur du pays de se déplacer tout en se protégeant contre la COVID-19 avec les gestes barrières et les masques. Rwanda, la capitale du Rwanda, Kigali, est classée deuxième ville la moins chère d'Afrique de l'Est. Après Kampala, selon l'enquête de Mercer 2020 portant sur le coût de la vie. Le sport et la revue de presse fermeront cette édition. Le développement dans un court instant. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Commençons par l'actualité nécrologique avec le porte-parole de la Tariqa Tijane. Pape Malik Sy est mort. Un homme distingué s'en est allé. Fils cadet de Serigne Seydi Ababakar Sy, premier calife de El Hadj Malik Sy, Pape Malik Sy avait l'art du discours. Le sens de la parole est un engagement des mots pour soulager les maux dont souffre la société sénégalaise. Il a grandi à l'ombre de ses frères et né l'exubérant Serigne Mansour Sy, Borom Daradji, et l'élogant Serigne Cheikh Tidiane Sy Al-Maktoum. Il a succédé à un homme immense aux fonctions de porte-parole dans un contexte délicat. Abdou Aziz Sy Al-Amine, il n'y est pas resté longtemps, hélas, mais la briveté de son magistère ne l'a pas empêché de s'illustrer de fort belle manière. Il accueillait le président de la République, il maîtrisait à la perfection les arcanes d'un protocole et agissait avec tact et discrétion dans les cérémonies qui faisaient de Tiwawon le point d'attraction. Pape Malik Sy a grandi sous l'aile de son frère aîné, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al-Maktoum. Il avait reçu l'ordre de son père, Serigne Babacar Sy, de veiller à l'éducation de son jeune frère. Très attaché à son aîné El Maktoum, le mystérieux, il en devint le confident et l'homme de main. C'est lui qui a fait de moi un homme, disait Pape Malik Sy de son aîné. Écoutons Pape Serigne Pape Malik Sy. Sacrifice nous gars parce que à la recherche du savoir lolu moko taxona sandal parce que bis bu nek beug na xam lu mu xamul won dem wa te ce cheikh tidiane ci def mu meuse wax ni ma xamul won ni nit ñi dañu tayal muni ma bu nu tayal won meun nañu bis bu ne ñu xam benn arab rek ñu xam ko ci bis muni ma ki def bis bu ne mu xam benn baat munima atté dana ko jox 335 mots ci atté munima lolu ku ci jang ñaari at ku tante nga tante ku tante nga tante munima way nit ñi dañu xaw tayal maniko man limu gëna tétal légui moy nit ñi ci seen bop ñoo bayyi lecture kenn amatul jottom karab mu wax munima gis nga président Senghor mas nay waxtan ak mom mom ce chef le président Senghor wax ko ni ko depuis 40 ans fateliku wuma fuma teudde te
au moins 30 pages ci goudi depuis 40 ans munima xolal depuis 40 ans goudi bu jot nga lire 30 pages munima xolal lim lay jox ci somme ci walu culture munima kenn xamul nu mu toll munima te sango wax nako ni ko même bu nekk ci visite officielle dafa yobale son livre de chevet. C'était Serigne Pape Malick Si que la terre lui soit légère. C'est à Taïwan en plein craqué. Dès l'annonce du décès de Serigne Pape Malick Si, en début de matinée, les fidèles Tijane ont pris d'assaut la ville religieuse. Le quartier Ndjandahoum, où se trouve le musée de Serigne Cheikh Tidiane Si Al-Maktoum, est pris d'assaut. C'est aux côtés de même de Al-Maktoum qu'il sera inhumé à 17h, renseigne une source qui s'est confiée à imedia.sn. Après la page nécrologique, passons à la page éducation. C'est ce jeudi que les élèves qui sont en classe d'examen reprennent les cours. Après un arrêt de 3 mois, ils sont 551 000 élèves à reprendre les chemins de l'école ce matin. Globalement, la reprise va se passer sans beaucoup de stress pour la plupart des établissements, mais il y a de sérieuses inquiétudes à Bignona où un enseignant a été testé positif au COVID-19 hier. À Kolda, 36 écoles sont hors course et 64 sans eau. Selon l'Obs, 45 écoles sont sans eau à Louga et 77 sans toilette. La reprise des cours, comme nous venons de dire, prévue ce jeudi 25 juin, a connu de nombreuses perturbations dans le sud du pays. À l'école Amadou Barry, au centre-ville de Ziguinchor, la reprise a été différée. La raison, au moment où les élèves passaient le test de thermoflash, on va violent, les dispersés selon les témoins sur place. Le vent accompagné d'une forte pluie a fini par réduire l'éclairage dans les salles de classe. La cour de l'école est inondée. Les journalistes qui étaient venus pour constater la reprise étaient obligés de se replier dans le bureau du directeur. Il fait très sombre dans les classes. Les enfants ne pourront pas travailler dans ces conditions, a laissé entendre le directeur de l'école interrogé par e-media. Cet orage qui a démarré un peu après 8 heures va certainement retarder la visite du gouverneur de la région qui avait prévu de faire une descente dans certaines écoles pour constater de reprise les cours après plus de 3 mois d'arrêt dû à la pandémie du coronavirus. C'est à signaler qu'une situation similaire prévaut à Kolda. La pluie a démarré depuis 4 heures du matin dans le Fouladou. Après l'éducation, passons à la santé. Avec la situation épidémiologique du coronavirus, la courbe de la maladie de coronavirus ne fléchit pas au Sénégal. En atteste le taux de positivité qui a connu une hausse ce jeudi. Il est de 10,5% selon l'ancien directeur du cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Aloïse Wally Diouf, qui a fait le point de la situation du jour. Sur 985 tests réalisés, 104 sont revenus positifs. Il s'agit de 75 cas contacts suivis de 29 cas communautaires. Les cas communautaires sont répertoriés dans les localités de Thiès, Touba, Guédiouaï, Mariste, Kermassar, Liberté 6, Yumbul, Mbaou, Rufisque, Grand Yoff, Medina, Dalifor, Wakam, Ngor, Westfoire, Sikap et Cité Djilimbaïa. Il y a eu 24 cas graves qui sont dans les services de réanimation. Contrairement à ces derniers où on enregistrait au minimum 3 cas de décès par jour, ce jeudi, un seul a été comptabilisé. Ce qui porte le bilan à 94 morts. Il y a eu 90 patients qui ont été testés négatifs, donc déclarés guéris. À ce jour, le Sénégal a enregistré 6233 cas déclarés positifs, dont 4162 guéris et 1976 sous traitement. Les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale exhortent
les populations à respecter des mesures barrières individuelles et collectives, surtout le port du masque. Restons toujours avec cette pandémie. Son Excellence, le président Macky Sall, ayant été en contact avec une personne qui s'est révélée positive à la COVID-19, a subi un test revenu négatif. Toutefois, suivant les recommandations médicales en la matière, le président Sall s'est mis en quarantaine pour une durée de 2 semaines à compter de ce mercredi 24 juin 2020, informe la présidence. Sur l'augmentation des cas décès, Dr Abdoulaye Bousso a révélé sur le plateau de la TFM qu'aujourd'hui, il y a 25% de décès dans les réanimations. Selon le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, le nombre élevé de décès était prévu. Compte tenu des malades avec des pathologies chroniques, 60% des personnes contaminées sont asymptomatiques et le problème est qu'elles pensent qu'elles ne sont pas malades, mais ce sont elles qui contaminent et propagent le virus. 160 agents de santé sont infectés pour Dr Bousso aujourd'hui. Aucun pays n'a de solution, mais au Sénégal, on se félicite déjà d'avoir un taux de guérison de 65%. Après environ 3 mois de fermeture pour empêcher la propagation du coronavirus, du virus de la COVID-19, la frontière sénégalo-mauritanienne a été ouverte le 22 juin pour permettre aux immigrés sénégalais et mauritaniens de rentrer dans leur pays d'origine. Une décision bien appréciée par la diaspora Afrique du Nord. Le parlementaire rassure également que la discussion entre les autorités des deux pays se poursuit pour une bonne organisation des entrées et sorties dans le respect des conditions d'hygiène édictées par les autorités sanitaires des deux États. Pour le député Morkan Ndiaye, député de la diaspora Afrique du Nord, à travers cette décision d'ouvrir les frontières, le président Macky Sall montre sa détermination à accompagner la diaspora sénégalaise face aux difficultés causées par la pandémie mondiale de la COVID-19 avec la mise en place du programme de résilience économique pour la diaspora. Colonne la page nationale, Mika, l'homme égorgé dans la maison de Serigne Fallou Mbake cette nuit aux environs de 1h du matin. Son identité vient d'être découverte par Dakar Actu Touba. Il s'agit en effet de Serigne Modulo, un homme très connu à Touba et qui avait l'habitude de demeurer la nuit aux alentours de la grande mosquée parcourant les Hassaïdes de Serigne Touba. Nous vous ramenons à la page internationale. Actualité internationale, commençons par la Mauritanie. Les autorités mauritaniennes autorisent le trafic routier afin de permettre les personnes bloquées à Nouakchott et à l'intérieur du pays de se déplacer tout en se protégeant contre le Covid avec des gestes barrières et les masques. Une autorisation de circulation assortie d'une condition d'un examen sanitaire des voyageurs et transporteurs afin de s'assurer que ceux-ci ne présentent aucun signe du virus corona. Cette mesure n'est pas la seule prise par les autorités dans le cadre du coronavirus. Gambie, le procureur général et ministre de la Justice de la Gambie a remis sa démission au président Adama Barrow, a appris à pas jeudi à Banjul, la capitale. En Côte d'Ivoire, 13 soldats ivoiriens ont été tués dans l'attaque terroriste de Kafolo, nord-est de Côte d'Ivoire, perpétrée par des djihadistes dans le cerveau. Sidibé Ali Di Sofiane, un Burkinabé, a été arrêté, a dit jeudi à Abidjan le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, Lassana Doumbia, Éthiopie. Un Éthiopien de 114 ans a survécu à une infection à coronavirus selon le docteur Yareda Ajidemu, dont l'hôpital d'Addis Abeba a soigné le centenaire. Enfin, Rwanda, la capitale du Rwanda, Kigali, est classée deuxième ville la moins chère de l'Afrique de l'Est après Kampala en Ouganda, selon l'enquête de Mercer 2020 portant sur le coût de la vie. Nous vous ramenons à la page sport.
Merci Mika, 20h passées de 45 minutes, c'est la page sport présentée par Mamoudou Yayacha. Mamoudou, bonsoir. Bonsoir Damodien, bonsoir à tous. Quelle est l'actualité sportive pour cette édition? La page des sports de ce jeudi reste marquée par les championnats européens. Parce qu'en ce moment, c'est pratiquement en Europe seulement qu'on joue. Eh bien, la Premier League, Liverpool a gagné hier. Crystal Palace et Sadio Mane a marqué le quatrième but. Et c'est son 78e but en 4 saisons. Eh bien, en 160 matchs, il a inscrit 178 buts sous les couleurs de Liverpool. Toute compétition confondue. Il a aussi délivré 28 passes décisives avec Liverpool. L'attaquant sénégalais, très en forme pour la reprise du championnat anglais, porte de nouveau Liverpool sur ses épaules. En ce moment, eh bien, son dauphin, l'équipe de Manchester City, est à égalité face à Chelsea, un but partout. Il reste 28 minutes avant la fin de la... il reste donc 18 minutes. La rencontre est à la 72e minute. Donc 18 minutes dans le temps réglementaire pour la fin de cette rencontre. En cas de nul aujourd'hui, eh bien Liverpool sera sacré champion puisque City ne pourra plus rattraper. Et donc au nombre de points, Liverpool qui compte 86 points contre 63 pour Manchester City. Donc en cas de nul, City aura 64 points. Il y aura donc 22 points. Il reste 7 journées et 22 points. 7 journées, c'est 21 points. Donc, mathématiquement, Liverpool sera sacré champion en cas de nul ce soir. Donc, seule une victoire de Manchester City remettrait à la prochaine journée donc le sacre de Liverpool. Leicester est à la troisième position avec 55 points. Donc du point de vue des résultats, on le disait, Chelsea, Manchester City un partout. Et bien Liverpool hier a battu Crystal Palace 4-0. Arsenal a battu aujourd'hui Southampton 2-0. Aujourd'hui également, Burnley a battu Watford par le score de 1-0. En Espagne également, la Liga en ce moment, Betis et Espanyol sont à égalité 0-0, sont dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et bien demain, il y aura Séville Valladolid et samedi avant ça, hier donc le Real a battu Mallorca par le score de 2-0. En ce moment donc en Espagne, le Real est à égalité avec le Barça, 68 points chacun. Donc pour les deux équipes, ce sera des finales. 8, donc 7 journées donc à jouer, 7 finales à disputer pour chacune des équipes. Nous revenons ici au Sénégal, ou plutôt en Afrique, pour parler donc de la CAF qui va donc se réunir pour voir les nouvelles mesures financières pour accompagner les 54 fédérations africaines de football en raison de la COVID-19. Après avoir versé une première enveloppe de $200,000, la CAF donc posera au cours de la rencontre qui est prévue prochainement la nécessité de nouvelles mesures financières. La CAN également va sceller le sort du Cameroun en fin juin. Donc, est-ce que le Cameroun va accueillir la CAN à date échue ou bien il y aura report ou changement de pays? En tout cas, à la fin du mois de juin, on en saura davantage. Normalement, la CAF devait tenir son AG à Tsaïba en Éthiopie, mais en raison de la pandémie de coronavirus, la rencontre n'a pas pu avoir lieu. Et pour terminer, Dembadjian, un petit retour en Europe pour signaler que l'Olympiakos de Pape Abou Cissé s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Grèce hier mercredi en sortant le PAOK Salonique. Au match aller, ils avaient perdu 2-3 et à l'aller, ils gagnent 2-0 en finale. Donc, il sera opposé à l'AEK Athènes. Voilà, Dembadjian, l'essentiel de cette page de sport de ce jeudi. Merci Mamoudou pour ces informations et pour tout. Nous venons au dernier élément de cette édition qui est la revue de nos quotidiens.
nous excuser pour cette perturbation. Nous voulons amener un dernier élément de cette idée qui est la revue de nos quotidiens avec Oumar Gueye. Bonsoir. Bonsoir Demba. Les quotidiens sénégalais parvenus jeudi à part traitent principalement de l'isolement du président Macky Sall après avoir été en contact avec un malade de la COVID-19. COVID-19 au cœur de l'État. Titre Libération soulignant que le Français Emmanuel Macron annule sa visite au Sénégal prévue mardi après avoir été au courant de la mise en quarantaine de son homologue sénégalais. Le journal note par ailleurs que le député Yaya Diallo était assez positif après avoir participé aux travaux de la commission des lois qui accueillait la ministre de la Justice Malick Sall. Plusieurs députés sont sur la liste des contacts du ministère de la Santé, là où l'ancien ministre Bamba Ndiaye est également touché. Titrant sur la contamination de la députée Yaya Diallo et la quarantaine du président Sall, l'AS qui parle d'une propagation inquiétante souligne que trois ministres et près de 40 députés contacts de la députée sont en observation. Toutefois, précise le président du groupe parlementaire de la majorité, Aimé Rougning, il n'y a pas de risque de propagation à l'Assemblée. On a respecté le protocole depuis le début. Ainsi, Corona fait des ravages au sommet de l'État et Sim Vox Populi qui indique que le secteur particulier du ministre Alingu Ndiaye est emporté par le virus. L'Observateur fait des révélations sur la quarantaine de Macky Sall en relatant l'histoire du test, le conseil des ministres et la peur au palais. Le coronavirus n'épargne pas aussi l'école avec une entrée déjà infectée. D'après le journal, les cours reprennent ce jeudi pour les élèves en classe d'examen. Mais un enseignant était assez positif hier à Bignona, dans le sud du pays. Une rentrée sous haute surveillance, titre l'enquête, constatant que la réouverture des classes se fait au moment où la COVID sévit de plus belle. Dans le quotidien, les syndicalistes du SAMES injectent une piqûre pour critiquer la gestion du coronavirus au Sénégal. La cacophonie du gouvernement a conduit à la banalisation de la maladie, a déploré les syndicats de santé. Depuis sa colère froide, écrit en quelle, le SAMES va demander l'arrêt des missions de prélèvement sur le terrain, ajoute Vox Populi. Le quotidien national Le Soleil revient sur le conseil des ministres d'hier et note que Macky Sall demande la cartographie intégrale des assiettes foncières. Le Djam Niadio, Lacrosse et Dagakolpa, il a par ailleurs décidé de confier les 30 hectares de l'aéroport de Yoff à la Caisse de dépôt et de consignation. Selon l'AS, ces terres vont servir à financer le programme des 100 000 logements. En fait divers, Libération donne tous les éléments du dossier du journaliste Cheikh Yérim Seck, cité dans une affaire d'avortement, mais finalement libéré après son interpellation. Cependant, il est placé de nouveau sous contrôle judiciaire après avoir récemment accusé la gendarmerie de détournement de fonds, selon enquête, mais pour le quotidien, c'est prison avortée pour Yérim. En football, stade et record, attendre le sac de Liverpool de Sadio Mané ce jeudi. En effet, un nul dans le match Chelsea City de ce soir suffira au reste pour remporter le titre qu'il cherche plus de 30 ans. Oumar Gueye, à 20h passé de 54 minutes, c'est la fin de cette édition dont je vous rappelle l'essentiel des titres. Le porte-parole de la Tahrira Tidjane, Pape Malick Sy, est mort, un homme distingué Sané Alé. Fils cadet de Serigne Seydi Ababacar Sy, premier calife, et de El Hadj Malick Sy, Pape Malick Sy avait l'art du discours. La reprise des cours prévue ce jeudi 25 juin 2020 a connu de nombreuses perturbations dans le sud du pays. La courbe de la maladie du coronavirus ne fléchit pas au Sénégal, en atteste le taux de positivité qui a connu une hausse de ce jeudi. Il est de 10,5% selon l'ancien directeur du cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Aloïse Wally Diouf, qui fait le point de la situation du jour. Sur 985 tests réalisés, 104 sont revenus positifs. International en Mauritanie, les autorités mauritaniennes autorisent le trafic routier afin de permettre les personnes bloquées à Nouakchott et à l'intérieur du pays de se déplacer tout en se protégeant contre la COVID-19 avec les gestes barrières et les masques. Rwanda, la capitale du Rwanda, Kigali, est classée deuxième ville la moins chère d'Afrique de l'Est après Kampala, selon l'enquête de Mercer 2020 portant sur le coût de la vie. L'espoir et la revue de presse ont fermé cette édition. Merci à Oumar Gueye pour la revue de nos quotidiens.
Merci aussi à Mamoudou Yacham qui nous a présenté les informations sportives. Réalisation, présentation d'Embadje à la cabine technique, c'est Mika Sall qui l'assurait. À 21h, ce sera le grand journal en poulard. D'ici là, portez-vous bien.